Alors en fait, voilà, le principe c'est d'être à l'hôtel, mais de dormir à l'extérieur de l'hôtel. Et de se prendre la poubelle au réveil. Oh putain, ça commence bien. Ça commence super bien. Bon bah de retour sur Dog's Life, on a 79 os. J'ai vu que par tout hasard, hein, j'ai pas été me renseigner, et puis même quelqu'un m'en a informé dans les commentaires, qu'il y avait en tout 103 os. On en est à 79, et j'ai fait mon petit calcul de mon côté. On va voir s'il est juste. Sachant qu'on va dire que par niveau, il y a 8 os. On est à 79. Là, il nous reste par exemple le sommet. Ah mais attendez. Faut te dire une connerie. Ah oui, c'est vrai qu'il nous manquait un os ici. Bon alors, on va imaginer que dans un niveau, il n'y en ait que 7. Parce qu'en fait, à la base, j'avais fait comme ça. J'avais dit 79 plus 8. T'as l'outil, il va m'écraser. 79 plus 8, j'avais dit ça fait 87. Je pense que jusque-là, c'est... Oh non, attends, non, mais je dis une connerie. Si. Non, attends. Si, si, c'est ça. Oh putain, je dis n'importe quoi. Donc, plus 8, ça fait 87. Après, j'avais encore fait plus 8. Et là, je dis ça fait 95. Plus 8, eh ben, ça aurait fait 103. Mais à mon avis, je pense que dans un niveau, il n'y en aura que 7. Parce que là, il nous en manque encore un ici. Donc, il faudra bien en enlever un quelque part d'autre. C'est vrai qu'on n'avait pas terminé ce niveau. Mais moi, je suis convaincu d'un truc. C'est que... Oh putain, alors, ce niveau, je peux plus le voir. Je ne peux plus le voir. Hop là, mini coupure parce que il y a eu un bug de capture. Heureusement, j'ai détecté hyper vite. Mais ce que je vais faire, c'est que voilà, j'ai laissé mon ordi là, juste à côté. Je me vois. Je vois si jamais il y a un bug. Et comme ça, si jamais ça rebug, je serai prêt à intervenir. Non, parce que ça, c'est vraiment la hantise quand tu fais des vidéos. C'est que t'es tout. Parce que normalement, moi, je veux dire, mon ordinateur, je le laisse un peu fermé. Et je vois qu'à la fin, si ça a bien tout capturé. Mais je crois que je vais jouer la carte de la sécurité, je vais le laisser là, et puis comme ça, je jetterai des petits coups d'œil pour voir si ça a pas bugué. Non, parce que ça, ce serait complètement horrible. Enfin, bref, allez, on est reparti. Je disais que j'étais complètement certain que ça, il va falloir l'emmener là-haut. Alors, c'était pour réparer la tour radio, mais je sais pas. Plus vraiment pourquoi, enfin je sais pas vraiment pourquoi ça pourrait aider, mais bon je me doute que s'il est là c'est bien pour quelque chose, sachant qu'il nous manque plus qu'un niveau et qu'il nous manque un os ici et que le truc il a l'odeur d'un os, donc orange. Donc pour moi à mon avis ça ne peut que être au sommet, le dernier niveau dans la neige. À mon avis les deux derniers niveaux seront comment ils appellent ça? À Boom City, je crois que c'est ça. Voilà, on verra bien. Moi, à mon avis, ce sera ça, hein. Ce sera à Boom City. Donc, il y en a un qui est coincé derrière cette porte, oui. Mais déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en mode odorat. Et oh, attends. Oh, c'est sympa ça, il y a de la pub qui change là-bas. Bon, attends, l'autre, je vais le délivrer derrière sa porte parce qu'il me fait de la peine. Il y a quoi, un samouraï là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah putain! Oh là là, j'ai cru que c'était un humain aplati! C'est des flèches! Oui, non. Bon, on va le délivrer derrière sa porte, lui. Ce qu'on va faire, c'est que ça. Hop, on va le poser. Voilà. Et ça, je suppose que je peux le. Ah oui, là, je peux. Ah, oh, mais c'est vrai qu'on n'avait pas fait ça depuis le premier niveau! Tirer une caisse comme ça. Putain, c'est vrai. Ça faisait longtemps. Tu peux le déplacer? Ça y est, tu peux sortir, mon petit. Oh, putain, le gros chien! Merci, l'ami. Écoute, méfie-toi du type de la fourrière. Il paraît que les chiens qui y sont emmenés n'en reviennent jamais. Ah ouais, bah ça, je sais bien. T'es rusé, toi. Que dirais-tu d'un os? Mon frère est monté là-haut et voilà qu'il s'est perdu quelque part sur le mont Miniwawa. Tu peux le retrouver? Mais fais attention aux éboulements. Je ne percerai donc jamais le secret des dognappings. Mais bon, je ne peux pas refuser de m'amuser un peu. C'est Beethoven le chien. Voilà, pour m'avoir sorti de là. Oh bah merci, franchement, os facile. Et enfin un humain qui est pas trop con. Ce que je préfère. Attendez, je vais peut-être dire un truc extrêmement con, hein. Mais j'ai l'impression que le jeu, il a gagné en fluidité. Je saurais pas comment dire, je saurais pas dire pourquoi, mais là quand je joue, j'ai l'impression que c'est super fluide, même quand il a bouffé l'os et tout. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez une différence, vous, sur la capture? Franchement, je sais pas pourquoi.
J'ai l'impression que c'est carrément plus fluide. Qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est vrai, hein. Qu'est-ce qu'il y a au bout d'un moment dans le jeu? Ils se sont améliorés, ils ont rendu le truc plus fluide. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression d'être en... d'avoir gagné en FPS. C'est dingue, j'ai l'impression que c'est plus joli. À mon avis, c'est une connerie, hein, mais bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, on va peut-être garder ça avec nous, quand même. Même si ça va peut-être un petit peu nous handicaper. Quand on voudra récupérer des choses, mais bon. On va quand même le garder. Ah! Ah, regardez-moi ça, elle se cachait, là! Ces petites odeurs. On va pas se laisser avoir comme ça, hein. Alors, donc là, il y avait des rouges. Il y en avait une ici, du coup, je suppose. Attends. Il y a d'autres chemins par ici ou pas? On peut descendre, là? Ah ouais, on peut descendre. Bon, eh ben, on ira plus tard. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la lignée des rouges. Si... voilà. Elle est là. Nickel. Ah, je vois une violette. Hop, on va essayer de rien louper. On va essayer de... putain, mais non, mais je vous jure, quand je tourne, j'ai l'impression que c'est hyper fluide. Ou c'est le niveau... peut-être que le niveau est plus petit. C'est peut-être ça. Le niveau doit être plus petit, du coup, il y a moins de choses à afficher. Et le jeu, du coup, il a moins de ressources à prendre. Putain, non mais attendez, mais c'est peut-être moi qui hallucine, j'en sais rien. Hein. Mais vraiment, je trouve que c'est plus fluide. Truc de malade. C'est bon, ma capture, elle a pas bugué, là? Parce que des fois, j'entends des petits sons, ça me fait peur, là. Je vais essayer de pas bouger le corps. Oh putain, ah là, par contre, ça a un peu lagué. J'espère que c'est pas en train de bugger. Tu bugs pas? Désolé, hein, si... mais j'ai vraiment peur que ça bug, là. Ça me l'a déjà fait une fois, là, ça... ça peut recommencer, quoi. Plus qu'une... eh ben voilà, elle est là. Attends, d'abord, je vais prendre les odeurs violettes. Eh bien, c'est ce que Jake appelle une vraie puanteur. Je sais même pas si je l'ai fait déjà, ce niveau. Je vais voir si ça me rappelle des choses ou pas. Ah oui, attends. Ah oui, c'est vrai que j'ai le truc dans la gueule, là. Ah, il est là. Non, mais... regardez-moi ça, c'est carrément fluide. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Allez, go. C'est quoi? J'ai plus d'os que lui. On va se marrer un peu. Qu'est-ce qui... ah, d'accord, je vais devoir le courser. Partez. Il bouge pas. Non! Non, 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 j'aurais pu l'avoir. Comme il court, c'est trop énorme. Il est trop bien fait, le chien. Oh, c'était super facile, comme d'hab. Mais le chien, il est trop bien fait, je trouve. Oh, regardez comme il bouge. Mais attendez, mais j'ai un nouveau jeu, quoi, là. J'ai la version HD du jeu. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais... ah, j'aime trop comme il court, comme il marche, c'est trop bien. Regardez, on dirait qu'il s'amuse dans la neige. Mais c'est trop bien. Bon, par contre, je sais pas ce qu'on peut faire avec lui, c'est dommage. Je vais essayer d'aller là-bas, mais bon, à 30 secondes, ça risque d'être un peu chaud. Qu'est-ce qu'on peut bien pouvoir faire avec lui? Franchement, je sais pas, on va continuer le niveau et puis on reviendra. Depuis le début, quand même, j'ai toujours trouvé sans chercher à la base. Mais là, je pense que ça va être un peu plus compliqué, là. Peut-être que je peux monter là-dessus avec lui. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, je suis tombé. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien de spécial? Bon, ok, c'est pas grave. C'est pas grave, on va bien trouver. Oh merde, attendez. J'ai pas mis le mode odorat, mais peut-être qu'il y avait des odeurs plus haut. Allez, allez, allez. Ah, voilà. Oh putain. Faut descendre là, non? Oh bah si c'est juste descendre. Non, attends, c'est juste ça? Ah oui, mais par contre, le temps, il est ric-rac là. Bon, je vois pas comment on peut se gourer. Peut-être que je... oh putain, si! Regardez le temps! Ah ouais, d'accord! Bon. L'avantage dans ce jeu, c'est que t'as aucun moyen d'aller plus vite. À part peut-être sauter. Mais je veux dire, si jamais la première odeur, tu la prends bien, normalement, il n'y a aucune raison que tu chopes pas bien les autres. Par contre, avant de prendre celle-là, je vais passer à côté. Et je vais... où, attends? Ouh là là, mais non, mais si, ça me dit quelque chose, cette tour radio, là. Attends, je l'ai encore dans la gueule, le machin? Ouais. Si on y va, là, avec ça, ça fait quoi? Ah! Il y a les oiseaux qui vont aller dessus. Oh, je suis trop fort. Du coup, je suppose que le... je vais le laisser là, le machin. Oula, qu'est-ce qui se passe?
Oh, ils viennent le récupérer. Non? J'ai pas compris là. Ah, j'ai compris. Il y avait trop d'oiseaux là-dessus. Oh putain, j'ai compris. Il y avait trop d'oiseaux. Et en le posant, les oiseaux sont venus. Et comme il y avait trop d'oiseaux dessus, c'est ça qui faisait des interférences. Oh là 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 là. Une bonne odeur de pied le matin. Putain. Attendez, parce que là, il y a plein de choses. Bon, on va faire le... On va faire le défi du pipi. Et puis, bah en fait, on retournera dans l'autre niveau tout à la fin, au pire. On va pas y aller tout de suite, on va d'abord faire tout ce qu'il y a dans ce niveau, et puis voilà. Oulala ! Un jeu de pipi. Oulalalala, va falloir être stratégique. Gagner du terrain et montrer qui commande. Bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les plus grands carrés. Partez. Enfin, les plus grands rectangles d'abord, les plus grands trapèzes, je sais pas trop ce que... Voilà, parce que... C'est ce qui va rapporter le plus de points. Voilà. En fait, on va faire notre, voilà, on va faire notre petit bonhomme de chemin de notre côté. On va aller pisser sur les pigeons. Ah ouais, tiens, on va faire cela là. Tac. Tac. Non, celui-là il est pour moi. Oh merde, il va me le prendre du coup. Ah tiens, je te l'ai repris. Non, c'est moi. Oui, je l'ai eu. Dégagez les pigeons. Je sais pas s'il peut me prendre mes rectangles. S'il fait tout le tour de un que j'ai déjà fait. Mais bon, apparemment, c'est pas ce qu'il a envie de faire. Il a envie de me laisser gagner. J'ai envie de dire tant mieux. Attends, mais je viens d'en perdre un là, non? Merde, merde, merde. Putain, il est vraiment chiant. Allez là. Et là, c'est bon, j'ai gagné. Pas encore? Bah là, j'ai gagné alors. Là, j'ai gagné. Non? Ah merde, putain, il y a une odeur à lui ici. Ah! Mais putain! 48 sur 49. Vite à la... Ouais, c'est bon. Nickel. Bon, la capture fonctionne toujours. Bon, nickel. Ça, c'est bien, ça. Bon, super. Là, on a les pigeons. On a un os d'assuré. On va aller se récupérer un peu de bouffe si jamais il y en a, mais il y en a pas. Super. Dégagez les pigeons. Plus d'odeur ici. C'est nickel. On va pouvoir prendre la bleue et en même temps descendre. C'est super. Allez, go, c'est parti. Mais dégage. Mais putain, merde. Oh là là, ce gros là. Bon bah, ok. Il a tout gâché. Il a tout gâché. Bon bah, on va attendre. Heureusement, c'est pas très long. Allez, on y retourne. C'est parti. Go. 2. 3, t'as faut l'esquiver le mec. 4, rien de tel, 5, une bonne odeur de pied 6, le matin. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes, aïe. Et de deux os à côté de la niniche. Super. Attends, mais... C'est de là d'où on vient du début. Ah oui, oui, c'est la niche. Bon, bah, on va aller récupérer les os. J'adore. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, bouffe-le. Voilà. Le deuxième. À moi, 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 moi. Et du coup, bah, on va refaire le chemin inverse. Parce que peut-être que dans la descente, il y avait des odeurs. Mais comme on était dans un défi, on n'a pas pu les récupérer. Ouais, donc là on y a déjà été. Putain, mais on est vachement haut, hein. Oh, regardez-moi ça. Enfin, on voit pas grand chose, hein, mais. Mais je sais pas, ça a un charme quand même. Vous trouvez pas que ça, ça a un charme? Non, c'est moche, je sais. Je sais que c'est moche. Mais. Je sais pas comment l'expliquer. C'est l'inconnu. C'est l'inconnu du flou. C'est le. C'est la non-perfection. Et ça a son charme. Bon après, moi je vais dire, j'ai connu ça quand j'étais petit, forcément j'en suis nostalgique, vous devez vous dire, bah, c'est de la bouillie de pixels, c'est tout ce que je vois, et vous aurez raison, mais non, mais pff, ça a son charme, franchement moi je sais pas, j'aime bien, je trouve que les imperfections, bah ça a son charme. Bon bref, on va arrêter de s'ébahir devant des graphismes de 2003, ah mais d'accord, mais là il n'y a pas d'autre chemin là.
On peut pas faire le tour par quelque part d'autre, là. Donc t'es en train de me dire je suis remonté pour rien. Et bah c'est nickel. On est en train de perdre du temps. Même si bon, on a tout le temps qu'on veut. Tiens, et je peux pas sauter en bas là? Non, je peux pas. Peut-être que j'arrête de sauter parce que sinon... il va être fatigué et ça je déteste quand il est fatigué. Par contre, je suis toujours en train de me demander ce qu'on peut faire avec le gros. Mais à mon avis, on va le découvrir là dans la deuxième partie du niveau. Il y a combien de DOS ici d'ailleurs? 4, 5, 8. Ouais, 8, ok. Donc c'est pas lui où il y en aura 7. Ou alors peut-être que à Boom City, on aura plein de petits niveaux de 3. Ou alors peut-être un gros avec tout le reste des os. Hein. Peut-être qu'il nous reste qu'un seul niveau après. Tiens, attends. Qu'est-ce qu'il y a ici là? Ah, regardez-moi ça, il y en a une qui se cache là. Eh. Et ici là, regardez, regardez, il y en a qui se cache tranquille, elle croit que j'allais pas les voir. Non mais attendez, on me la fait pas moi, on me la fait plus en tout cas. Parce que je me suis déjà bien assez fait avoir comme ça. Attends, je suis perdu là. C'est là? Oui, c'est là. Oh oui, 100% puanteur. Ou le pont. Ok, il est là le gros. Je pense que c'est un truc à faire par ici avec lui. Bon, allez. Un petit os facile. J'aime bien ce niveau. Je le trouve calme. Je le trouve. Il y a pas beaucoup d'humains en fait. Et je sais pas si c'est ça, mais. Mais puis ouais, il est. On est perché quoi. On est au sommet. C'est un. Je sais pas. Il y a une super ambiance dans ce jeu. Tu t'y crois? Ça a beau être pas le jeu le plus beau du monde, mais tu t'y crois. Et je crois que c'est vraiment ce qui a plu à toutes les personnes qui regardent là en ce moment, et puis même qui ont apprécié le jeu quand il est sorti et qui en ont des méga souvenirs aujourd'hui. C'est que ce jeu, mais c'est une putain d'ambiance, quoi. Autant les musiques... Bon, les musiques, j'aurais pensé qu'elles allaient plus se renouveler, mais elles sont très bonnes, donc on peut pas cracher dessus. Franchement, je pourrais ne jamais m'arrêter d'encenser ce jeu. Après, je suis d'accord, il y a la nostalgie qu'il y a derrière. Mais voilà, quand même. J'aime trop ce jeu. Et là, en le finissant, en faisant des parcelles de niveau que j'avais encore jamais faites, c'est génial. Mais franchement, la tour radio là me dit quelque chose. Mais par contre... je suis pratiquement certain de n'avoir jamais terminé le jeu. Et ce qui m'étonne, c'est que du coup, je ne l'ai pas terminé. Mais alors, j'étais arrivé à la porte de la finale, quoi. Aux portes de la fin du jeu. Ah, attendez, je crois que j'ai trouvé ce qu'on peut faire avec l'autre. Parce que là, avec Jake, je vais pas pouvoir sauter, là. Ouais, ok. Bon, bah c'est bon, j'ai compris. Enfin, je crois. Vas-y, viens là. Viens là, mon petit. Je pense que... je prédis l'avenir. Sachant que je connais pas. On va aller là-bas avec lui. Et grâce à lui. Oh putain, non! Oh non! Et grâce à lui, on va faire tomber un autre arbre ou un truc, je sais pas comment, qui va me permettre d'attraper. Ah, attraper! Ah non! Ah non! En fait, je pensais qu'on allait passer de l'autre côté, que lui il allait sauter, et qu'on allait faire tomber un arbre ou un truc comme ça qui allait nous permettre de passer. Mais en fait, non. Mais en fait, non, c'est lui qui... Par contre, ça, je sais pas si on pouvait pas le faire avec Jake, en fait, au final. Fais voir, attends. Il est où, Jake? Il est là. Est-ce qu'avec Jake, je pouvais attraper ça? Moi, je vais dire que non, parce que je pars de la logique que le gars, comme il est plus massif... Ah si, je pouvais. Bah oui, mais je peux peut-être pas le bouger. Ah, je peux pas. Je pouvais pas. D'accord. Bon, et bah du coup, maintenant, grâce à lui, je peux passer. Nickel. Nickel. Je peux récupérer les odeurs, je pense les dernières, hein. On est à la fin là. On est à la fin des odeurs. T'as 48, 49. Oh non, s'il vous plaît, hein. Non, s'il vous plaît. Ah voilà, mon ami. Ah quand même. Il nous reste quoi comme odeur? Il nous en manque une poignée, non? Même pas? Ah mais on a tout? Non, on a tout. Attends, il y a une petite partie du niveau qu'on n'a pas vu là, ici. Ah non. Non! Il y a encore un niveau! Oh! Non! Oh!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est celui où il y en a 7. Oh, mais alors ça veut dire que Boom City, il y a qu'un seul niveau? Et là, il reste encore un niveau? Non! Alors, lui, par contre, j'ai jamais vu. Hein. Mais non! Je suis en train d'halluciner! Oh là là! Attendez, mais lui, il me reste deux os. Je me pose une question là. Parce que... Attends. J'ai qu'un seul os dans ma niche, non? Ou alors non, vu que j'ai réussi un défi, je dois en avoir un deuxième. Je suis en train de poser une question là, attendez. J'ai un petit peu peur tout à coup. Bon, lui, il a plus l'odeur d'os, donc c'est bon. On va aller à la niche, puis on va voir. Mais non, mais j'hallucine, il y a encore un niveau. Incroyable. Ouais, dites-moi qu'il y a les deux, là. Attendez. Il y a une odeur ici? Pourquoi? T'es rusé, toi. Que dirais-tu d'un os? Mon frère est monté là-haut et voilà qu'il s'est perdu quelque part sur le mont Miniwawa. Tu peux le retrouver? Mais fais attention aux éboulements. Je ne percerai donc jamais le secret des dognappings. Mais bon, je ne peux pas refuser de m'amuser un peu. Ça y est, j'ai compris. On n'en a qu'un seul ici. J'avais oublié qu'il nous avait demandé ça, c'est vrai. Des os. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, du coup, son gars, son pote, il est sur le flanc, du coup. Et c'est là où on va le retrouver. Waouh. Et ben encore une vidéo assez courte, hein, du coup. Parce que regardez, ça y est. Hein. Ah non, 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 non. J'allais oublier. On va faire un autre truc. Parce que là, du coup, ça s'échelonne sur pas mal de niveaux. On a celui-là qui va se terminer grâce au flanc. Et on a lui, donc Grand Rue, qui va se terminer grâce au sommet. Putain, tout est lié. J'espère que ce sera bon. Faut aller voir le gars là où il y a la radio. J'espère que ça a fonctionné avec l'objet, tout ça, tout ça. Ce serait pas mal hein, que ça ait bien fonctionné. Tout comme ma capture. Ouais, elle fonctionne ma capture, c'est bien ça. Non, parce que là, si elle n'aurait pas fonctionné, je crois que j'aurais pété un petit câble. Tout petit. Hein. Le gars, si je me souviens bien, il est au fond à droite. Voilà. Putain, et ce niveau, mais... Le pire, c'est que c'est presque le niveau central de la neige, quoi. T'es obligé d'y passer pour aller dans chacun des niveaux. Et il me rappelle tellement de mauvais souvenirs. C'est incroyable. Enfin bon, après, tout comme chaque mauvais souvenir, au bout d'un moment, on relativise et on en rigole au final. C'était un bon moment. Allez! Parfait. Oh non, il a mangé son truc. De nouveau. Je me demande ce qui s'est passé. Ma côte de bœuf était délicieuse. Mais qu'est-ce que je vais faire de cet os? Moi? Tiens, t'as qu'à l'enterrer si tu veux. Oh non, je vais le bouffer. Merci! Des os, ce que je préfère. C'est bon, t'énerve pas, elle marche la radio, c'est bon. Et bah voilà. Bon, et bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le téléphérique. Et on va aller sauvegarder dans la niche du haut. Comme ça, on sera à côté du flanc. Et on n'aura plus qu'à y aller. Nickel, nickel. Bon, bah voilà. Encore un petit niveau de fait et. Je me rends compte que du coup, on s'approche de la fin. On s'approche de la phase finale de Dog's Life. Allez, rentre dedans. Et ouais, ouais, mine de rien, attendez, parce que là, on en est à la 11e partie. Il y aura 13 parties, je pense, en tout. Parce que du coup, s'il y a le flanc et qu'après, on finit le jeu à Boom City. Voilà, quoi. Ce sera déjà la fin de l'aventure. Franchement, je suis bien content d'avoir fait ça parce que déjà au moins ça m'a permis de, enfin, ça m'aura permis de finir un jeu que j'avais fait étant tout petit et que, du coup j'avais jamais terminé. Enfin, du moins je pense. Je parle comme si c'était déjà la fin, mais ce n'est pas encore le cas. Il nous reste encore, je pense, des petites surprises, des petites choses à découvrir, bien sympathiques. Et voilà, voilà. Donc on sauvegarde en cours, etc., etc. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaît en tout cas, parce que moi je passe un super moment à jouer à ce Dog's Life, c'est nickel.
Donc c'est la fin, je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Enfin je dis c'est la fin, attention, hein, c'est pas totalement la fin, il reste encore d'autres choses, mais c'est la fin pour cette vidéo-là. Je recommence, je vous souhaite de bien retourner à vos occupations, et ciao à tous.